les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts, a-t-on l'habitude de dire. Donc, tout acte posé par ceux qui incarnent un État doit aller dans le sens de l'intérêt de celui-ci. Mais au Sénégal, depuis 2021, les autorités en charge de l'État semblent mettre le parti avant la patrie, installant du coup le Sénégal dans une crise politique profonde qui a fini de peindre un visage hideux du pays de la Teranga, jusqu'ici considéré comme un modèle d'une démocratie majeure en Afrique. Les autorités défendent-elles les intérêts de l'État en choisissant d'instaurer un climat délétère sur le plan politique, social et économique? Un climat d'instabilité qui fait perdre des sociétés nationales, des entreprises privées, des entreprises individuelles, des millions par jour et même obligeant des gourgourlous à ne pas mener leurs activités pendant plusieurs jours. Les autorités défendent-elles l'intérêt de l'État en foulant aux pieds les lois et règlements pour séquestrer un opposant politique devenu très encombrant? Est-ce normal qu'un procès qui au départ concernait deux citoyens arrive au final à installer un pays dans une bataille civile où des Sénégalais brûlent des voitures et des maisons appartenant à des Sénégalais comme eux simplement parce qu'ils ne sont pas du même bord politique? L'État est-il raisonnable en choisissant de mettre au ralenti toute une économie au moment où une bonne partie de la population peine à joindre les deux bouts, à manger, à sa faim, à se soigner, entre autres besoins primaires? Le procès Ousmane Sonko Adissar, dont le verdict est attendu le 1er juin 2023, doit-il installer le Sénégal dans un brasier dont les flammes finiront par tous nous engloutir? La raison du chef est-elle donc en train de prendre le dessus sur la raison d'État, qui n'est rien d'autre, selon Wikipédia, que le principe politique en vertu duquel l'intérêt de l'État, conçu comme une préoccupation supérieure émanant de l'intérêt général, peut nécessiter de déroger à certaines règles juridiques ou morales, notamment dans des circonstances exceptionnelles?